J'ai perdu 8 686 euros en une journée. Oui, je te spoil et c'est fait exprès. Au moins les choses sont dites et on peut se concentrer sur les choses importantes. Car au poker, ce ne sont pas les résultats à court terme qui comptent, mais la qualité de nos décisions. Alors maintenant que tu sais que cette journée a été un pur enfer, on va pouvoir se concentrer et analyser de nombreuses mains pour voir si c'est simplement le run ou si j'ai fait de grosses erreurs. D'ailleurs, j'en profite tout de suite pour rebondir sur quelques commentaires qui me font un peu rire. Il arrive qu'on me dise que je fais des erreurs, eh bien bravo, vous m'avez démasqué. Mais je vais vous dire un petit secret, et j'espère que ça va casser de nombreuses croyances limitantes. Au poker, tout le monde fait des erreurs, même le meilleur joueur au monde, et ça n'empêche en rien d'être gagnant à ce jeu. Évidemment, le but c'est d'en faire le moins possible et de progresser pour supprimer un maximum d'erreurs dans son jeu. Mais penser qu'il faut un jeu parfait pour réussir au poker, c'est une énorme croyance limitante dont il faut absolument que tu te sépares. Car elle pourrait énormément te ralentir dans ta progression et même pour certains te décourager. Alors je n'ai qu'un seul conseil pour toi. Fais ton mieux, progresse, continue à te former chaque jour et tu verras que sur le long terme, tes résultats exploseront. Voilà, ça me paraissait important de transmettre ce message et on peut se lancer dans cette vidéo. Bienvenue dans l'épisode 52 de Road to 50 000 euros. Salut, c'est Lucho et on se retrouve aujourd'hui avec 17 958 euros de bankroll. On a fait une superbe avancée dans le challenge ces derniers jours et notamment avec le dernier épisode sur la short qui s'est super bien passé. Et à nouveau, cette journée va être rythmée par de la short et notamment deux heads-up ultra intenses. On a énormément de mains à voir, notamment sur le deuxième heads-up, donc pas de temps à perdre, c'est parti! Le premier heads-up, c'était contre Anto BTA en short 100 euros. Tu vas voir qu'il est carrément chaud, et même si les premières mains sont plutôt à notre avantage, on va très vite déchanter en se faisant craquer les dames, et ce n'est que le début, car la variance va être terrible avec nous. C'est assez violent, Vilain est clairement là pour gamble, et il run incroyable. Peut rien faire, et il me termine avec Dame 2 contre As-8, et sa belle flush river qui lui permet de passer les 100 blindes de stack avec lesquelles il décide de partir. Vraiment un coup dur pour nous, mais je continue tranquille ma session. Et une heure plus tard, il est de retour. Apparemment, le run n'a pas changé et il me prend encore une tonne avant de sit-out à nouveau. Franchement, c'est un enfer, mais même pas 5 minutes plus tard, Vilain revient sur une autre table. Et cette fois, malgré un premier coup à tapis défavorable, le run va s'inverser. Et après avoir perdu Roi-10 contre As-2, Vilain va nous faire son plus beau push 15 deep avec 10 et 7 off contre As-8. Allez, As-8 c'est un call, 10 et 7 en face. Il fait le 7, on fait le 8. Moi ça, nickel. On s'échange un flip chacun et 25 deep, on va jouer le coup le plus important de ce heads up avec paire de 8 servis. Il est toujours aussi chaud et il open shove. Alors évidemment, je call. Allez, les 8 contre 3, 5. Flop pas ouf, hein. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Yes. C'est vraiment n'importe quoi ce heads up et après avoir perdu Roi-10 contre Dame-7, on va enfin jouer un coup post-flop. On est 20 deep au début du coup, je limp, il check back et vient ce flop magnifique. Ouh, la belle straight, il peut avoir des 8, des 9. Je vais juste bet 1. Ok, let's go. Il fasse passer son 9. 90%. Et ça tient magnifique. Elle fait plaisir et cette main n'est que le début de la descente aux enfers pour Vilain. Car je vais l'enchaîner sur 4 coups de suite pré-flop jusqu'à avoir un stack de 1000. Voici quand il sit-out, c'est pas dans le même état d'esprit et complètement tilté, il va nous rejoindre en short 200. Mais ça va pas durer bien longtemps car je fais un beau 9, roi 9 contre roi valet. Je crois que c'en est trop pour lui et il sit-out définitivement. Ok, c'était chaud, mais on s'en est pas trop mal sorti au vu du run dans ce début de heads up. Je voulais surtout te montrer à quel point la short peut être violente et qu'il faut être prêt à accepter les gros swings dans ce format. Alors on est déjà passé par toutes les émotions, mais crois-moi, la journée ne fait que commencer. Car on se lance dans un nouveau heads up et celui-là va être ultra intense avec de nombreux coups post-flop
et des décisions super close. Le début de ce heads-up se passe plutôt tranquillement, avec aucune grosse décision, jusqu'à paire de valets, qui va être la première main intéressante de ce face-à-face. 15 deep, je min-raise, vilain call, et tombe ce baby board 6-5-2. Ici, j'ai l'impression qu'on peut tout faire, je pourrais très bien bet cher ou check back. Cette fois-ci, je décide de check back pour potentiellement le laisser toucher quelque chose. Et turn tombe le 9 de trèfle sur lequel vilain bet une bébé. Beaucoup de draw ici, alors je décide de raise à 4 bébés, vilain call, et tombe la dame de carreau river. Clairement ici, je vois très peu de dames dans sa range, donc c'est pas du tout une carte qui me fait peur, et j'ai clairement de la value. Mais maintenant, au vu de son size à la turn, et le fait qu'il est juste call contre mon raise, je le vois assez peu sur des 9, et principalement sur des 6, des 5, pourquoi pas même des 2, et surtout énormément de draws qui ont miss. Donc je décide de faire un petit sizing pour target toutes ses mains, en espérant, pourquoi pas, qu'il me raise en bluff. Je fais 3 bébés, et après une très légère réflexion, vilain jam. Évidemment, le plan, c'était de le pousser à bluff, alors je call. Mais malheureusement, il me retourne 8 et 7, il m'avait totalement milk à la turn. Bien joué à lui. Un coup sur la pute qui fait mal, mais on se refait pré-flop avec une belle paire de dames contre As-4. Et nous voilà donc à jouer 20 deep effectifs avec 10 et 4 de cœur. Vilain min-raise, je call, et on fait double paire sur 17-4. C'est magnifique, mais pour l'instant, j'ai pas vraiment d'informations sur mon adversaire. Donc, je vais pas reprendre le lead, je check, il s'y bat une bébé, je me contente de call tranquille, et turn tombe le valet de cœur. On a flush draw en plus de notre double paire, je continue de check, et vilain bet 1,5. Ça représente beaucoup de mains moyennes ici, et pour moi, il y a deux façons de jouer. Soit je raise immédiatement un petit size et j'essaye de gratter à la river, soit je call pour donk bet river. Et à chaud, je trouve que j'ai pas très bien joué, car j'ai call, mais sur le roi river, j'ai continué d'être passif, j'ai check, je m'en sors pas trop mal, il continue un tiers sur la river. Pour moi, j'ai encore une fois la meilleure main, donc je raise, mais malheureusement, il fold. Puis après quelques bains, on se retrouve avec As 2 de carreau. Je limp, vilain check back, et vient ce board low 7-6-4. C'est vraiment pas un bon board à 6 bêtes ici, donc je check back, et turn tombe le 8 de carreau qui nous ouvre un flush draw. Vilain bet une bébé, alors je call, et la river est magnifique, la dame de carreau. On a notre absolu sur cette main, et vilain bet all-in, deux fois pot. Évidemment, pas de réflexion, je call et il me retourne 9 et 3. Il était parti en bluff avec son bloqueur carreau. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. On a 40 blindes et je limp valet 10 off. On touche une middle pair sur dame valet 6. Vilain check, je check back tranquille. Il n'y a aucune main que j'ai intérêt à faire fold. Et ça va être assez dur d'avoir 3 streets de value. Turn sur le 3, vilain check. Maintenant, je peux prendre 2 streets de value, turn et river. Donc je bête une bébé. Il call, et river, c'est pas la meilleure, le roi de pique. Ça devient assez close, mais je pense que je pourrais gratter un peu de value quand même. Mais in game, je décide de check back sur ce run out, et vilain me retourne 6 et 4. On se retrouve quelques mains plus tard, encore une fois avec valet 10. Cette fois-ci, on est hors de position. Quand vilain limp, je check back, et on touche top pair sur valet 4-2. Je check, il bet une bébé. Je pourrais check call ou check raise, mais pour l'instant, je l'ai vu quand même assez chaud, alors je préfère largement le laisser continuer en bluff. Je call. Sur le 7 turn, vilain de barrel 3, je continue à call. Et river, il 3 barrel, évidemment. Je call et il me retourne valet 3. Il était en value, mais pas de chance pour lui. On avait mieux. Il recave et on a paire de 8. Je limp, il ise 2.5. Je call. C'est une main qui n'a pas d'intérêt à 3 bet jam, car on va s'isoler contre des overcards et des paires supérieures en éliminant tous les iso un peu light. Le flop est assez ok pour ma main avec cette doublette du 6. Vilain bet une bébé dans 5. Je call. Turn tombe l'as qui est quand même un peu moins sympa. Vilain continue une bébé. Évidemment, vu le sizing, je call. Et river, il fait all-in. Tous les Broadway ont touché. En plus de ça, je l'ai déjà vu me milk tout à l'heure. Donc pour moi, ça représente beaucoup de force ici. Et je décide de fold sagement. Puis on enchaîne directement avec Dame 10. Vilain limp, je check back et on touche middle pair sur Valet 10-3. Vilain 6 bet une bébé, je call et turn tombe la doublette du valet. Je continue de check et cette fois-ci, vilain check back. River tombe le 8. J'ai clairement une décision ici. Je peux prendre de la value sur tous les 10 inférieurs ou bien même des 8, des 3 et même des As parfois qui pourraient me catch. Mais contre lui, je décide de check
dans l'idée qu'il va très souvent bet les 10 de lui-même et pourquoi pas me bluff. Le plan se passe bien, il bet 3 blindes, je call et il me retourne 10 et 9. Pour l'instant, c'est super fluide ce heads up. Malheureusement, il fait flush avec roi 6 de pique contre as valet. Mais tout va bien, on le déstack quelques mains plus tard avec as roi contre as 7 avant de jouer 9 et 5 off. Je limp, vilain check back, et vient ce flop roi as as. Shibet une bébé, c'est un flop qui est clairement à mon avantage. Et là, vilain me raise 2.5. Pour moi, ça représente pas grand chose. Le fil va pas du tout bien check raise ce genre de board et le fera bien trop souvent en bluff. Alors même si j'ai une main complètement pourrie, je décide de battle, je call et turn sur le 8, vilain check. Alors je vais essayer de voler le pot pour pas cher et faire fold tous ces trash, mais vilain call et river tombe le 4 de cœur, une pure brique. J'ai vraiment du mal à estimer sa range ici, pourquoi pas quelques 8, quelques gut shots, dame valet, dame 10 ou bien même quelques miss flush draw. Mais le problème, c'est qu'avec ma hauteur 9, je perds très souvent. Donc, je décide de faire all-in. Et vilain me snap call avec 6 et 4. Un flush draw qui a touché son 4 river. Pas de chance, il faut attendre quelques minutes avant de jouer une nouvelle main intéressante avec dame valet off. On joue 25 deep effectifs. Je min raise. Vilain call. Et vient un low board sur lequel j'ai aucun intérêt de bet avec ma main. Je vais juste faire fold des dames et des valets que je domine, donc je préfère check back ici, et turn tombe la doublette du 6, sur laquelle vilain probe 2.8. Je trouve le spot assez intéressant, car on a vu qu'il avait pas mal milk quand il avait des nuts, et donc je le vois pas mal sur des draws, des trash ou des 8, sur lesquels je vais pouvoir avoir beaucoup de FE, et récupérer pas mal d'informations avec un petit raise. Alors, je fais un simple clic, et quand vilain me just call, tombe le 8 de pique river. C'est clairement pas la meilleure, ça fait partie des mains sur lesquelles j'aurais voulu mettre de la pression. Et maintenant, le coup est totalement différent. Je pourrais jamais faire fold un 8, jamais faire fold un 6. Et donc ici, avec Damai, j'ai plus aucun intérêt à bluff. Donc, je check back, et pour mon plus grand bonheur, il retourne 4 et 2 de carreau. Franchement, pour l'instant, je suis très content de ce heads up, mais faut pas se relâcher. Et on se retrouve avec Valet 10 off. Vilain min raise, je call et on touche middle pair sur roi valet 3. Vilain si bête une bébé, je call et vient cette dame de carreau qui nous fait open-ended. Alors quand il fait un demi, évidemment, je call avec paire plus draw, mais river, on ne touche rien, tombe le 4 de cœur, une pure brique et vilain 3 barrel all-in. Je crois qu'ici, il n'y a pas grand chose à faire, je fold et on va se retrouver pour un flip avec paire de 5. Je limp, vilain ISO 2.5. Pour le coup 5-5, c'est beaucoup plus intéressant que le jam que la paire de 8 qu'on a vu tout à l'heure, car on va faire fold plus de mains qui ont de l'équité contre nous. Alors, je 3-bet jam et il me colle roi valet. Ouais, flip 5-5 contre roi valet. On joue les cœurs. Allez, le cœur. Dur, dur. Aïe, aïe, aïe. Un flip qu'il remet bien dans ce heads up. Et donc maintenant, on va jouer plus de 30 blind deep avec 9 et 7 off. Je min raise, vilain call. Et bien ce flop, valet de 2. Il y a assez peu de 2 dans les deux ranges, et j'aime bien voler le pot immédiatement, donc je fais un demi, mais vilain n'est pas de cet avis, et après légère réflexion, finit par call. Et turn, on touche une paire de 7, alors je check back pour le laisser bluff avec tous ses floats qu'il a eu au flop, et la river est juste parfaite pour ça, le 5 de cœur, une pure brique, vilain bet 70%, je snap call, mais malheureusement, il avait touché son valet depuis le début. Je reste OK avec mon call, pas de soucis. Puis après quelques petits coups, on se retrouve avec roi 10 off. Je min raise, vilain call et on touche top pair sur roi 5-2. Assez peu de 5 et 2 dans sa range, il y a plein de mains qui pourraient toucher à la turn. Alors je check back et turn tombe le 3 de trèfle. C'est pas forcément la carte qu'il a le plus, mais entre les 5, les 3 et les 2, il peut quand même avoir quelques paires maintenant et aussi quelques draws. Donc je delay bet un demi, il call et river tombe la doublette du roi qui nous fait trips. Clairement ici, c'est un peu tout ou rien. Soit il a un 5, un 3 et même un 2 qui va très rarement fold, même si je bet cher. Soit il a un pur trash et il va fold. Alors je décide de bien charger et de bet pot. Je pense que j'aurais même pu gratter un peu plus, mais malheureusement, il fold. Pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Et c'est là qu'arrive une main très importante dans ce face-à-face. J'ai As-6 off, je min raise 25 deep effectif. Vilain call et tombe the flop as dame dame. Et vilain va faire quelque chose de très particulier ici. Il va donc bet un demi. Honnêtement, chez le fil, j'ai l'impression que c'est très rarement fait avec une dame.
Alors je suis très confiant avec ma paire d'as, mais pour autant j'ai pas vraiment d'intérêt à raise ici. Contente de call, turn, vilain continu, environ 60%. Toujours pareil, pas d'intérêt à raise, donc contente de call. Et river, vilain fait all-in. Bon, honnêtement c'est très bizarre. Je sais pas si quand il prend un bluff au flop, il va continuer en 3 streets. Mais de toute façon, pour l'instant, j'ai ce rythme que trop peu de joueurs vont donc bet brelant au flop. Alors, après une petite réflexion, je call et me retourne dame 7. Il avait donc bet trips et a touché full à la turn. Cette main est super intéressante car c'est clairement pour moi un play exploitant de sa part. C'est peut-être un joueur qui regarde mes vidéos ou tout simplement au vu du début du heads up qui a compris mon thinking sur ce genre de spot. Et donc, il en a profité pour me value bien gras. Franchement, bravo à lui et ça nous donne quelques idées sur son niveau de compétence. Bon, dans tout ça, ça met un petit coup à notre stack et on se retrouve donc 20 deep avec Dame 9 off. Vilain min raise, je call et on touche une top pair sur Dame 6-3. Vilain 6 bet une bébé, je call. Turn tombe le valet de carreau qui fait rentrer flush et vilain de barrel 1/2. Rien d'autre à faire ici que de call et river tombe l'as de pique. Une carte pas totalement anodine, car il peut très bien avoir joué comme ça des rois 10, même des as de pique. Et donc ça rajoute encore des mains fortes à toutes ces flushs et double paires qu'il pouvait avoir à la turn. Donc même si je suis pas très content de fold ma top pair du flop et de la turn, il faut savoir bien réévaluer la force relative de notre main. Et dans ce spot, je trouve qu'on est vraiment pas très bien. Alors pour moi, je devrais fold ici. Mais à chaud, après une grosse réflexion, j'ai pas trouvé ce fold. Et donc, j'ai call et je suis rentré dans Dame 5 de carreau. C'est un mauvais call pour moi et ça coûte cher. Bon, nous revoilà 10 blindes deep du coup, mais j'arrive assez vite à doubler avec As 2 contre Dame Valet avant de jouer Valet 8 de pique. Vilain limp, je check back et on touche middle pair sur 10-8-6. Vilain 6 bet une bébé, je call. Et sur le 7 turn qui nous ouvre une gunshot, vilain check back. River tombe le roi de cœur. Honnêtement, c'est assez compliqué de prendre de la value ici. Donc, je check et river, on va se retrouver à nouveau dans un spot très compliqué. Vilain, overbet, 125% pot. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal à situer sa range ici. Et après une longue réflexion, je décide de call. Mais à nouveau, il avait touché nuts. Bon, ça s'est transformé en catastrophe ce heads up. Et on va essayer de se refaire avec 10 et 7 off. Je min raise, vilain call. Et sur roi, dame, 4, je s'y bet une bébé. Il call. Turn tombe le 5 de carreau, sur lequel je décide de barrer 4 blindes en bluff, et river on touche une paire avec ce 7 de pique qui fait rentrer les flushs. Plus d'intérêt à bet maintenant, on n'a clairement pas de value, et on n'a pas non plus d'intérêt à bluff, car à part quelques dames, je vois pas du tout ce que je fais fold. Donc, je check back, et une nouvelle fois, il a touché nuts avec 9 et 6 de pique. Franchement, c'est incroyable, j'ai l'impression qu'il touche nuts à toutes les mains. Mais bon, il faut rester sérieux, je continue avec 8 et 6 off. Je limp préflop, il check back, et sur dame, 5 dames, je vais être une bébé pour voler le coup, mais il battle, tombe le 7 de trèfle qui ouvre mon backdoor, alors je check back tranquille, et enfin une belle river, le 9 de cœur qui nous fait straight. Bon, vilain check, et on est parti pour une petite réflexion. Ici, je vois deux possibilités, faire all-in ou alors bet 3 quarts. Et au final, j'ai l'impression que s'il a une dame, il va très souvent me check raise. Alors, j'ai pas vraiment d'intérêt à faire all-in. Je vais plutôt bet 3 pour target un maximum de 5. Alors, je bet et vilain réfléchit un long moment avant de call 5 et 3. Je pense que j'ai bien fait de faire ce sizing. Nous revoilà donc 15 deep et on va jouer un gros coup préflop avec paire de 6. Vilain limp, je jam immédiatement. 6-6 contre As 5, le bord est pas terrible. Allez, 2-2-2-2-2-2-2, yes. Ok, on revient à 30 blindes. Un pot qui fait du bien, et après 5-6 minutes où on joue que des petits pots, on se retrouve sur roi dame off. Je min raise, il check back, et vient ce flop valet 10-6 sur lequel on a open-ended et 2 overcards. Ici, les deux me paraissent ok, bet ou check back. Cette fois-ci, je décide de check back et de réaliser gratuitement, et la turn est magnifique. L'as de pique. Quand vilain check, faut tout de suite commencer à prendre de la value. Alors je fais 3 quarts. Mon objectif ici, ça va être de faire payer toutes les paires, tous les draws.
et river, j'aviserai selon le run out. Et le run out est le 4 de cœur, une pure brique. Et à nouveau, on est parti pour une petite réflexion sur le sizing ici. Je pense à deux sizing principaux, soit un 60-70% pour m'assurer de lui faire call un maximum de valet 10, soit faire all-in. Et cette fois-ci, je vais plutôt pencher pour le all-in, car pour moi dans sa range, j'ai encore des as, des doubles paires, et pourquoi pas les valets et les 10 qui pourraient se chauffer à call contre any size en pensant que je suis en train d'arracher le coup. Donc, je fais all-in, mais malheureusement, vilain réfléchit même pas deux secondes et fold. Sûrement un draw qui a mis. Et pas le temps de se reposer, on enchaîne direct avec Dame setup. Vilain min-raise, je call et on touche top pair sur Dame 9-3. Vilain check back sur ce board et tombe la doublette du 3. Alors avec ma main, je suis clairement pas aux anges de voir cette carte tomber. Donc je check, il check back et river tombe le 10 de carreau. Je bet 3 blindes, j'aurais clairement pu faire plus cher. Je pense qu'il fold jamais un 10 ou bien même un 9. Et cette fois-ci, il a les deux, le 10 et le 9, mais on a double paire supérieur grâce à la doublette du 3. On joue assez deep maintenant, et quand vilain min-raise, je décide de jouer un peu tricky et de 3 bêtes avec roi de off. Malheureusement, ça passe pas tout de suite, il call et tombe ce board 10, 7, 4 qui nous arrange pas, mais alors pas du tout. Donc je check, je suis prêt à abandonner honnêtement ici, mais vilain bête, une bébé, alors je vais pas give up tout de suite, je call. Et sur le 8 de pique, vilain check back. River tombe le valet de trèfle. Honnêtement, on peut avoir des as, des rois meilleurs. Donc je décide de faire un sizing juste pour faire fold ce type de main. Dans un 3 bet pot, je pense que ça peut suffire. Je fais un demi. Mais vilain en a rien à faire et me colle immédiatement avec paire de 6. Bon, un bluff qui tombe à l'eau. Et on enchaîne avec As-4 où on va pas être là pour bluff. Car quand je min-raise et que vilain call, on fait double paire sur As-3-4. Chibette une bébé comme à mon habitude, j'ai pas envie de changer quoi que ce soit ici avec nuts. Et je fais bien car vilain me raise 3.5. Je call et tombe la dame de carreau. C'est clairement pas un run out qui me fait rêver car ça fait rentrer des gut shots mais aussi toutes les flushes. Mais évidemment, quand vilain fait un demi, je vais pas fold. Je call et par contre, cette river est juste magnifique. On fait full sur la doublette de l'as. Alors quand vilain fait all-in, évidemment, je call et il me retourne flush, un gros pot qui fait plaisir. Puis à nouveau, on enchaîne dès la main suivante avec Dame 10 off. Vilain min-raise, je call et il s'y bête sur Roi 3-2. J'ai une main qu'il faut défendre ici, je call, turn, il check back et river tombe le valet de pique. Ici, c'est assez important de voir qu'on a énormément d'équité avec notre main. S'il n'a pas un as, on gagnera au showdown. Et de toute façon, je pense rarement lui faire fold d'une paire. Alors, je check et il check back avec Dame 4. Je trouve que c'est une main assez intéressante car trop de joueurs pourraient avoir tendance à bluff ici alors qu'on n'a clairement pas d'intérêt à le faire. On a repris du poil de la bête dans ce heads up et la prochaine main intéressante est avec 10 et 5 off. Je min-raise, vilain call. Sur ce board 6-6-3, je s'y bête un tiers, vilain call et on touche une paire de 10 à la turn. Ça va être compliqué ici, 3 barrels avec ma main, donc je check back et river, j'ai un clear call quand vilain probe un tiers. Et cette fois-ci, il était en bluff avec valet 9. Quelques pots qui font plaisir, mais on enchaîne quand même pas mal de petits pots et avec le rake, mon stack n'augmente pas jusqu'à 8 et 7. Vilain min-raise, je call, tombe ce board dame 8-3 où on touche middle pair et sur lequel vilain check back. Alors turn assez confiant, je probe 3 quarts avec ma middle pair. Et river tombe l'as de carreau. Bon, clairement ici, c'est très compliqué de prendre de la value. Alors, je check et je vais potentiellement opter pour un catch. Vilain bet un demi. Là, pour le coup, ça m'offre de très bonnes cotes. Il peut avoir plein de bluffs ici et j'ai besoin de gagner seulement 25% du temps. Alors, je call et il me retourne 6 et 5. Ce petit catch fait plaisir et après quelques mains, on se retrouve avec as 4 off. Vilain open 2.5, je call et on touche top pair sur As 9-7. Vilain check back cette fois-ci. Je suis assez surpris vu le board car j'ai l'impression que c'est des boards qui vont très souvent bête. Alors turn, je reste méfiant et sur le 2 de cœur, je check à nouveau avec ma top pair. Là, il bet une bébé. Ça représente quand même pas mal une showdown, peut-être un trap, mais en fréquence, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de mains que je domine. Alors je raise, il call et river sur le 5 de cœur. Je fais un sizing pour vraiment target les 7 et les 9 à fond et ça marche car il me colle avec valet 7. Ça se passe un peu mieux là dans le heads up et je vais m'embarquer dans des coups un peu compliqués. Quand vilain open 2.5, je 3 bet dame 6 off, il colle
Le board est plutôt ok à 6 bet, en plus on a la dame de carreau qui a son backdoor. Alors Chibet 2.5, il call et tombe le 9 de carreau, une très belle carte pour notre main. Je continue avec un petit 2 barrel, il call et river, on rate la flush et tombe le 7 de pique. J'hésite un peu à bluff ici car j'ai des très bons bloqueurs, mais je pense que je vais avoir beaucoup de mal à lui faire fold un as. Et honnêtement, il peut en avoir pas mal dans sa range. Et il peut évidemment aussi avoir énormément de flush, ou bien même des straight, des doubles paires. Donc je décide de rester sage et de give up ce coup. Vilain bet small, ça pourrait bien me tenter une nouvelle fois à bluff, mais je veux vraiment pas spew et je décide de fold. Au final, un petit pot qui fait mal au stack. Et donc on se retrouve sous les 30 blindes avec 9 et 7 de cœur. Vilain continue ses open 2.5, je call. Et vient ce flop, dame 10-4 où on a flush draw et sur lequel vilain check back. Alors sur le 2 qui est une pure brick turn, je probe un demi et river tombe un 3 de trèfle, plutôt une brique. Et j'ai l'impression que même si je fais un gros size, j'aurai beaucoup de mal à faire fold un 10 ou un 4. Alors je fais juste un petit sizing pour faire fold tous les trash. Mais malheureusement, on n'était pas contre trash, on était contre un beau 10. Et vilain call très facilement. On n'est pas très bien tombé décidément sur les dernières mains. Et donc nous voilà à nouveau assez short pour jouer 6 et 5. Je min raise pré-flop, vilain call et on a gut shot sur As 9-7. Je décide de check back ici et turn tombe l'As de cœur qui nous ouvre un flush draw en plus de notre gut shot. Alors je delay un demi, vilain call. Et river tombe la dame de cœur. Le spot est assez particulier ici car pour moi, turn il call énormément de cœur supérieur à mon 6. Et de toute façon, si je bet ici, je pense qu'il va rarement call un 7 ou un 9. Alors je préfère peut-être manquer un petit value, mais surtout pas me value cut. Et j'ai bien raison car quand je check back, il me retourne 10 et 2 de cœur. Il avait totalement slow play à la turn. On n'est pas très bien tombé sur les dernières mains et ça va continuer avec paire de 8 qui perd ce flip contre roi 9. Mais on se refait avec roi dame de cœur contre as 8. Malheureusement ensuite les petits pots sont pas vraiment à notre avantage. Et donc on se retrouve 13 deep avec 6 et 4 de pique. Je limp, vilain iso 2.5. J'ai clairement une main pour me défendre ici. Je call et il s'y bet sur valet 7-4 rainbow où on a touché une weak pair. Je call, turn tombe le 8 qui nous ouvre une gut shot. J'ai pas du tout d'intérêt à bet ici. Je check back et river tombe l'as de trèfle. Une carte clairement à son avantage, mais quand il bet une bébé, je peux jamais fold ici. J'ai besoin de gagner que très rarement pour être bon. Mais cette fois-ci, je vais pas gagner car il avait les belles flèches et un beau brelan d'as. Bon, on n'est pas très bien tombé dernièrement et du coup, on est toujours bloqué à 10 blindes. Et j'espère enfin décoller avec paire de valets. Je limp, vilain miso 2 blindes. J'ai pas envie de le faire fold ici. Je me contente de call et de trap. Et tombe ce board 8-7-6. Un board bien dynamique où il peut avoir beaucoup de paires, beaucoup de draws. Et au final, ça serait pas dramatique de faire fold 2 over ici. Donc, je clique. Et immédiatement, vilain me revient dessus. Clairement ici, il n'y a pas de décision. Je snap call. Et encore une fois, on est mal tombé. Vilain me retourne les flèches. Là, on va pas se mentir, c'est vraiment un heads-up catastrophique qui fait mal à la tête, mais on essaye de rester focus et de prendre les meilleures décisions. J'ai 9 et 5 de trèfle, vilain limp, je check back, et un board magnifique arrive, 8, 7, 6, où on a straight et le flush draw. Alors quand vilain bête une bébé, je me prive pas, je check raise immédiatement. La turn n'est pas top, le 5 de cœur, du coup maintenant s'il a un 9, on split. Mais j'ai quand même une très bonne main, donc je 2 barrel. Et la river est juste catastrophique, le 9 de pique. Bon, du coup, on n'a plus du tout nuts, ça va split très souvent. Et j'essaye d'arracher le pot car pour moi il a assez peu de 10 dans sa range, même si clairement il peut en avoir. Je pense que je peux quand même faire fold pas mal de mains, surtout pour le sizing que j'ai à mettre. Mais évidemment, quand on voit le run depuis tout à l'heure, vilain me snap call avec un beau 10. Elle est facile la vie pour lui. Franchement, je peux rien faire. J'arrive juste à doubler avec paire de 2 contre 10 et 9 ensuite. Et on se retrouve avec roi 3. Vilain open 2x. Je call. Il check back au flop. Alors sur le 10 de cœur, je décide de partir sur un gros bluff. Je mets 3 quarts. Et river sur le 5 de trèfle, je fais all-in.
et il me snap call avec roi 10. Pour être tout à fait franc ici, franchement le bluff peut être envisageable, mais j'ai surtout l'impression que j'ai voulu arracher le pot suite à ce run qui était vraiment horrible. Alors il va falloir faire attention car les spews pourraient faire très mal en short. Pour l'instant pas de solution magique, on est toujours autour des 10 blindes, je check back 10 et 3 off et on touche une petite weak pair sur As Roi 3. Villain check back et la turn est magnifique, la dame de pique. Pour moi il peut y avoir beaucoup de dames jouées comme ça au flop, alors je suis très content de toucher ici et je vais essayer de mettre un maximum d'argent au milieu sur les deux streets qui restent. Mais pour ça, la meilleure solution pour moi, c'est de jouer en check raise. Alors je check et quand il bet une bébé, je raise 3x. Il call et river la doublette du 3. Au cas où on était contre straight, maintenant on est bien. Faut juste espérer qu'il n'ait pas un full supérieur. Et donc je charge la barre à fond, je fais all-in et il me snap call avec roi 2. Elle est belle. Enfin, on redécolle un peu niveau stock. Et la prochaine main intéressante, c'est 7 et 3 de pique. Villa min raise pré-flop, je call, et on a un petit flush draw sur ce flop, valet 6-2. Cette fois-ci, Villa 6 bet une bébé, je call pour réaliser tranquille. Mes turns, c'est le beat de cœur. Heureusement, Villa check back, ce qui nous permet de réaliser gratuit. Mais toujours pas de pique, c'est le 9 de trèfle river. Alors ici, même si on a un joueur qui est assez CS, je vais jamais gagner le coup si je check, et je préfère prendre le bluff, d'autant plus qu'il peut avoir plein de trash ici. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais pas super cher. Je bet 3.5, mais il a bien lu le coup et me catch avec As-Dame. Un bon call de sa part. Puis, ça va se jouer pré-flop avec As-9 de pique. Je min-raise 18 deep et vilain me 3-bet jam. Évidemment, avec cette main, je call et il me retourne roi-valet de cœur. Allez, As-9 contre 3-valet. 2-2-2-2-2-2, oui. Ah, ça fait du bien ce pot, et notre stack remonte un petit peu. Mais clairement, j'ai qu'une cible en tête, c'est les 100 blindes de Villa. Et parfait, quand je défends Dame 5 off face à son min-raise pré-flop, je touche double paire au flop. Alors quand il me c-bet, je raise 4 blindes, il call, turn tombe le 10 qui fait rentrer quelques gutshots, mais rien d'inquiétant pour le moment. Donc je 2 barrel, il continue à call, et river, on a 3 solutions. On peut check pour trap, on peut faire all-in, ou on peut utiliser un size intermédiaire. Alors je réfléchis un bon petit moment, mais avec Adina, le meilleur choix pour moi ici, c'est de faire all-in, car je vois bien vilain à CCS. Malheureusement, cette fois-ci, il fold. Notre stack est bien remonté, et on passe au-dessus des 50 blindes, avant de recevoir à nouveau Dame 5. Je min-raise, et on touche une middle pair sur Roi Dame 7. As deep, j'ai clairement pas envie de faire gros sur le pot avec une main aussi bancale. Donc je check back, turn tombe le 2. Évidemment, quand vilain probe, je call. Et river sur le 6 de cœur, voit assez peu de value. Donc je check back tranquille et on gagne cette main contre 10 et 9. Encore un pot à 10 blindes qui fait plaisir. Puis la prochaine main, c'est pas avec dame 5 mais dame 6 off qu'on va jouer. Villa open 2.5, je décide à nouveau de me chauffer à 3 bet light, je raise 6 blindes, il call, et cette fois-ci, on touche une paire sur 7, 6, 4. Je bet un tiers, il call, et la turn est juste magnifique. La dame de carreau qui nous fait double paire. On est déjà sur un gros pot, alors j'ai pas besoin de faire très cher, je fais un tiers, mais malheureusement, vilain fold. Avec cet enchaînement de pots à 10 blindes, on commence vraiment à être pas mal et on joue quasiment 70 blindes effectifs, ce qui fait quand même des stacks à 1 400 €. Donc à tout moment, on peut partir un pot à presque 3 000 €. Et vilain open 2.5, donc je défends As de off. Et quand on touche une top pair sur As Valet 10, il s'y bet un demi. Évidemment, je call, clairement pas d'intérêt à raise avec ce type de main et surtout aussi deep. Et turn sur le 8, vilain check back. Alors, sur la doublette du 8, décide de faire mon petit bet en value 3 quarts pour target des valets ou des 10. Mais vilain me snap call avec As Valet qu'il avait slow play à la turn. Décidément, c'est vraiment un petit filou. Mais je suis quand même assez content d'avoir perdu aussi peu au vu de la situation. Par contre, forcément, ça met un petit coup au stack qui repasse à environ 50 blindes quand on a As-5. J'open 2x, vilain call, et on touche double paire sur As-5-3.
Même si je bloque énormément le board, ça serait trop suspect de check back ici, donc je bête une BB. Et vilain me raise 3 blindes. Là, je suis très content avec ma double paire, et pour l'instant, j'ai eu l'impression qu'il avait raise plutôt intéressé. Donc tout de suite, je veux faire grossir le pot. Je raise à 8 blindes, il call. Et cette turn est juste un pur bonheur, le 5 de cœur. Imaginons qu'il ait 4 et 2, ou alors 5 et 3, ou n'importe quel 5, un as. Et bien sûr, toutes ses mains, on va pouvoir prendre énormément maintenant. Mais pas besoin de se précipiter à mettre des énormes sizing. Je me contente de faire 60% pot. Et malheureusement, vilain fold. C'est vraiment une grosse bagarre ce heads up. Et 5 minutes plus tard, on se retrouve avec 10 et 6 off. Je min raise, vilain call et on touche encore une fois note sur As 10 10. Cette fois-ci, je décide de check back. Je suis pas vraiment fan, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être quand même bien face up. Et vu la profondeur, on est assez content de faire grossir le pot. Mais bon, ça l'empêche pas à la turn de prop 70% sur la dame de cœur. Je call. Et river, on fait full avec ce 6 de carreau. Quelques as dans sa range, quelques dames aussi. Alors je décide de bet pot. Et il me snap call avec 10 et 4. Dommage, on aurait pu gratter encore un peu plus. Mais bon, c'est déjà pas mal. Surtout que quelques mains plus tard, on se retrouve avec les belles flèches. Alors qu'en vilain open 2.5, vu toutes les pots que j'ai 3 bet light, je peux clairement prendre de la value ici. 3 bet 6 blindes. Vilain call, via un flop roi 6-4, c'est pas forcément le meilleur car à part quelques rois, il a pas touché grand chose. J'y bet un tiers, il call, et turn, ça se complique sur ce 10 de trèfle. Plus trop envie de mettre énormément d'argent ici, s'il a un roi, on aura encore le temps de le value plus tard. Donc je check, il bet un demi-pot, donc j'ai un bon call, et river tombe le 9 de pique. Encore une fois, pas le run out de l'année. Il pourrait très bien avoir 8 et 7 qu'avec gutshot au flop. Il peut aussi avoir dame valet et évidemment toutes les doubles paires possibles. Donc je check en espérant clairement qu'il check back, mais il ne check back pas et fait un tout petit bet 6 bébés. J'ai clairement pas envie de value ici. Certes, on pourrait penser à roi valet, roi dame sur lesquels on pourrait gratter, mais je le vois tellement essayer de me chauffer avec nuts que je préfère rester sage ici. Alors, je call, et j'ai bien fait, car il me retourne roi 10 de cœur, double paire. Un pot à 1000 euros qui nous échappe. Encore une fois, il faut absolument rester focus. J'ai paire de 2, vilain min raise, je call, et on fait un beau brelan dès le flop sur A6-2. Vilain bête une bébé, je me contente de call ici, j'ai pas envie de le faire fuir, de toute façon les as vont investir énormément d'argent naturellement dans le coup. Mais turn sur le 8, vilain check back et tombe la dame de trèfle river. Mon objectif ici c'est clairement de prendre le maximum. Donc il faut réfléchir aux mains qu'on value, mais aussi aux mains qui pourraient bluff. Évidemment, les mains qui peuvent bluff, il faut check pour les laisser investir de l'argent. Mais de toute façon, une grosse partie des mains qu'on value, du style un as, une dame ou bien même un 8, vont très souvent bet d'elles-mêmes si je check. Et je pourrais alors les check raise et faire grossir bien plus le pot qu'avec un simple bet de ma part. Donc je check, mais malheureusement, il check back avec paire de 3, rien de très surprenant et je reste ok avec ma décision. Puis on enchaîne avec 8 et 7 de carreau où encore une fois je fais nuts au flop. Ce heads up c'est quand même complètement fou car on touche énormément de nuts, mais notre adversaire aussi, et pour l'instant c'est lui qui les a le plus rentabilisés. Donc cette fois-ci, on va essayer de lui prendre une tonne. Ici, plusieurs décisions possibles, check back ou alors bet. Cette fois-ci, je check et turn tombe le 6 de carreau. Une carte plutôt bonne car on a besoin d'aucune protection car on a le flush draw. Et en plus de ça, maintenant les 6 vont être prêts à investir beaucoup d'argent. Vilain prop 70%, je me contente de call. Et river sur le 10 de carreau qui nous fait flush maintenant, il check. Comme on l'a dit, les 6 vont être prêts à investir beaucoup d'argent. Il peut aussi avoir des straights dans sa range. Donc quand il check, je décide de faire deux fois pot. Et cette fois-ci, ça marche, car en plus, il colle jusqu'à 10 et 7, et on remporte ce gros pot. Nous revoilà donc avec un stack conséquent quand j'open roi 6 de trèfle. Vilain défend, et vient ce flop 9-5-3. On a quelques backdoors, et on va pouvoir bien manipuler par la suite,
Alors pour changer un peu, je décide de mettre max de pression et de 6 bêtes 3 quarts. Vilain call. Et on touche une middle pair avec ce 6 de cœur turn. Le spot est assez intéressant, car pour moi, il va quand même face play quelques 9. Et ici, on bat encore une grosse partie de sa range, notamment beaucoup de draws et des 5. Donc je décide de 2 barrels 1 demi, mais la river est clairement pas terrible, la doublette du 5. Dans sa range, il n'y a plus rien à value. Alors, quand il check, je le check back et il nous retourne 4 et 2. Il avait fait straight à la turn. Allez, on enchaîne avec valet 5 de trèfle. Et cette fois-ci, tu vas voir qu'on n'a pas fait semblant sur les nuts. J'open 2x, il call et on fait trips flopper sur valet 4. Shibet une bébé, il call et tombe la dame de pique qui fait pas trop plaisir sur cette turn. Alors, je check tranquille. J'aurai encore la place de prendre de la value river si check. Mais j'ai clairement pas envie de partir dans un pot énorme. Et par contre, sur cette river qui nous fait carré de valet, là, je suis prêt à tout mettre, évidemment. Mais vilain a pas l'air de vouloir mettre les jetons au milieu et il check. Donc ça va être à moi de faire grossir ce pot. Et du coup, je décide d'overbet plus de 2 fois pot avec comme idée que de toute façon, il foldera à une dame ni un 4 et que parfois, il pourrait avoir du mal à fold une flush. Et une nouvelle fois, ça marche car vilain me snap call avec 9 et 4. Ça fait 2 fois qu'on optimise bien nos nuts et ça fait du bien. On se retrouve quelques mains plus tard après ce beau carré avec roi 9 off. Vilain open 2.5, je défends en call et on touche middle pair sur 19-4. Vilain check back ici, on a très souvent la meilleure main, alors je prends 3 quarts. Mais apparemment, vilain a pas check back n'importe quoi et il nous raise. Bon. J'ai pas envie de fold tout de suite, il pourrait très bien essayer d'arracher le pot puisque je vais souvent probe ici. Mais par contre, je vais rester vigilant. Donc, je colle une fois et river sur la doublette du 2. Vilain fait all-in pour 2 fois pot. Bon, je crois qu'on n'a pas le choix ici, on a un clear fold. Allez, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas touché nuts, du coup, on se retrouve avec Dame 5 off. Il open 2.5, je call et on fait double pair sur Dame 9-5. Malheureusement, vilain check back, mais la turn est assez sympa. On fait full avec la doublette de la dame. Je pense qu'il va très souvent delay bet si je check. Alors je préfère le laisser investir de l'argent et jouer en check raise. Le plan se passe plutôt bien. Quand je check, il bet 3.5. Alors je continue, je raise. Mais cette fois-ci, il fold. Il avait sûrement delay bet un trash. On a au moins gratté ses 3,5 blindes. Ce heads up est vraiment très chaud. Et ça fait un petit moment quand même qu'on est autour des 50 blindes. Et à tout moment, un énorme pot peut être joué. Et pourquoi pas avec 8 et 5 de pique. Car quand j'open 2x, vilain me 3 bêtes. Je vais défendre ici. En position, j'aurai toujours pas mal de jouabilité. Et sur valet 10-2, il check. Je vais pas tout de suite m'empaler, je vais attendre un peu. Donc je check back et turn, on touche une paire de 5. Sur laquelle, vilain recommence avec ses bêtes tout petits et bête une bébé. Alors évidemment, je call et la river vient punir son sizing car on fait double pair. Ouh la belle double pair. Je pense qu'ici le but ça va être d'aller chercher des as. Encore un pot qui fait plaisir avant de jouer 10 et 9 de trèfle où cette fois-ci c'est moi qui vais 3 bêtes. Vilain open 2.5, je raise 6 bébés et je touche top pair sur 10, 3, 2. 6 bêtes 1 tiers, il call. Et turn tombe ce 7 de trèfle qui nous ouvre un beau flush draw. C'est assez close ma décision ici, car je suis pas contre le fait de 2 barrels, car j'ai énormément d'équité, et ça me permettrait de faire fold des overs qui pourraient me déranger river. Mais j'ai aussi besoin d'avoir du check avec des mains qui pourront subir l'agression. Et ici, c'est une main parfaite. Donc, je check. Cette fois-ci, il check back. Et la river est plutôt sympathique. On fait flush sur ce bel as. Maintenant, avec cette belle flush, il faut réfléchir au sizing. Et cette fois-ci, je vais changer un petit peu de plan. Ça fait plusieurs fois que j'envoie des gros parpaings, des overbets avec mes nuts. Et il pourrait commencer à s'adapter. Donc, je préfère changer un peu de stratégie et mettre un bet pot. C'est déjà pas mal. Et ça permet de faire call peut-être quelques mains qui auraient fold contre un overbet. Honnêtement, les deux sont très close. Mais c'est vrai que c'est bien de pas toujours faire la même chose, surtout en heads up où notre adversaire pourrait s'adapter. Et face à ce bet pot, vilain call avec as suite off,
un nouveau pot qui fait plaisir et qui nous permet enfin de repasser devant. Et l'action va continuer car on enchaîne avec As-4 de trèfle. Il open 2.5, je call et on fait top pair sur ce board mono As-10 suite. Vilain c-bet 40%, pas d'intérêt à raise évidemment ici, je call. Et c'est turn que les choses se compliquent car quand tombe le roi, vilain 2 barrel. Pour l'instant j'ai encore un call mais ça devient limite chaud. Et river sur le 2 de pique, vilain 3 barrel, quasiment pote. Franchement, ici, qu'on ait un as, qu'on ait un 10, un roi, pour moi c'est tout pareil, on a juste un catch. À part as-dame, soit il a double paire plus, soit il est en bluff. Et j'ai l'impression qu'il aura naturellement plus de value que de bluff ici, donc je décide de fold. Un fold conservateur mais qui me paraît plutôt bon. Et c'est 5 minutes plus tard, avec Roi Valley Off, qu'on va avoir à nouveau de l'action. Vilain open 2.5, je 3 bet, il call, et on fait une belle top pair sur Roi 4-3. Comme sur la plupart des spots 3 bet depuis tout à l'heure, je 6 bet un tiers, il call, et tombe peut-être l'une des pires, l'As de trèfle. Pas très content ici, je continue à value avec un bet small, il call, et par contre, la river est juste très belle, le valet de pique. Une nouvelle fois, j'ai envie de le jouer en check raise, tout simplement car les as font très souvent bête. Mais cette fois-ci, quand je check, il me check back avec paire de 2. Honnêtement, je pense pas qu'on avait grand-chose à prendre ici, et j'ai clairement pas de regret. Puis vient valet 7 off. Vilain open, je call, et on touche top pair sur valet 9-5. Vilain check back, et turn tombe le 3 de trèfle. Depuis tout à l'heure, on voit qu'il a beaucoup delay bet, alors je préfère clairement le laisser mettre de l'argent au milieu. Mais cette fois-ci, il check back à nouveau et tombe le 10 de trèfle river. Bon, là, on peut pas attendre toute notre vie qu'il mette l'argent lui-même, alors je bet 3 quarts et bienvenue dans un spot de merde. Vilain nous raise quasiment 15 blindes. Bon, la line est très bizarre, mais encore une fois, je suis pas sûr qu'il ait suffisamment de bluff ici. Et donc, je reste conservateur et je fold. Suite à ses mains, c'est Vilain qui a repris l'avantage au niveau stack et on se retrouve avec Roi 4 off. Vilain open 2.5, je call et vient ce board 10-5-2. Un board où on n'a clairement rien touché. Mais quand Vilain bet 40%, j'ai bien envie de commencer à le titiller et donc, je décide de check raise. Malheureusement, ce petit bluff ne passe pas. Vilain call et tombe la doublette du 2. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je pense qu'il peut avoir encore pas mal de mains qui ont toujours rien ici. Donc je continue un tiers. Et cette fois-ci, on arrive à le faire fold. On se retrouve donc quasiment à stack égal quand j'open paire de 8. Et vilain me 3 bet. As deep, je vais clairement pas rejam. Je call. Et tombe ce board mono As 10-6 où on a flush draw avec notre 8. Vilain 6 bet 1/2. On va clairement pas fold tout de suite. Call au moins une fois, et turn sur le roi de cœur, vilain snap check. Bon, c'est un peu particulier, je suis pas sûr d'avoir énormément de showdown, mais pourquoi pas, de temps en temps, il pourrait avoir des dames, des valets, et en plus de ça, grâce au check, on va pouvoir réaliser tranquille. Mais malheureusement, river, c'est pure brique avec ce 3 de cœur, et du coup, on se retrouve avec pas grand chose au final, avec notre paire de 8. Alors, comme il a check, on a quand même une décision. On peut vraiment songer à bluff dans ce spot. Mais en même temps, je me dis que s'il a un as, il va jamais le fold. S'il a un roi ou même un 10 avec des blockers flush, des blockers straight, j'ai l'impression qu'il va énormément les call. Alors peut-être que j'ai seulement 10% d'équité, mais j'ai clairement pas envie de spew. Et donc, je check back et je pense que j'ai clairement bien fait car il me retourne As-Valet avec le valet de pique, clairement une main que je le vois jamais fold. Malheureusement, c'est un pot qui lui permet quand même de bien remonter niveau stack et on se retrouve avec seulement 40 blindes quand j'ai valet 9 de pique. J'open 2x et une nouvelle fois, il me 3 bet. Bon, on a une très bonne main pour se défendre ici, je call et une nouvelle fois, un board mono roi 6-3. Là pour le coup, notre main c'est vraiment une pampa complète. Je check, turn tombe la doublette du 6 et vilain check à nouveau. Pour l'instant, j'ai clairement pas envie de m'empaler, je continue de check. Par contre, river sur le 7 de trèfle qui fait fort flush au board quand vilain check à nouveau, pense que je gagne que très rarement avec valet high
Et donc je décide de bluff en espérant faire fold un maximum d'as et de dames. Mais vilain avait gardé quelques calls dans sa main depuis le début et nous catch avec roi 10. Décidément, c'est pas la fête et nous revoilà à moins de 30 blindes de stack. Vilain open 2.5, je call et on touche top pair sur roi valet 2. Je check, il s'y bet 40%, je call tranquille et tombe la doublette du 2. Une carte qui fait pas vraiment peur, même s'il pourrait très bien avoir quelques 2 dans sa range. Mais quand il debarrelle 5 blindes, j'ai un call super facile et river tombe une belle brique avec ce 4 de cœur. Pas de raison de reprendre le lead ici, je check et là, le spot devient très compliqué car vilain fait all-in. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce type de spot aujourd'hui et pour l'instant je me suis fait défoncer à chaque fois que j'ai call. Donc là, une nouvelle fois, je reste conservateur et je décide de fold avec ma paire de ronds. Certes, c'est quand même des gros folds, mais une nouvelle fois, je le vois pas suffisamment bluff ce genre de spot, donc je suis totalement d'accord avec ma décision. Bon, c'est vraiment la misère là, et on va jouer un coup pré-flop pour essayer de se refaire avec As 8 off. Je min-raise, il jam, j'y suis, je call, il me retourne paire de valets, allez, le petit As ou même le 6. Non, pas du tout, il fait son brelan river pour nous terminer. Puis on enchaîne avec ce flip roi 9 contre paire de 6, mais toujours pas, on touche ni 9 ni roi. Et voilà vilain à 150 blindes de stack, ce qui fait 3000 euros. C'est vraiment la cata et on se retrouve avec 10 et 2 de cœur. Je lim, vilain check back et on touche top pair sur 10, 4, 3. Et quand je suis bête une bébé, vilain me revient dessus 2.5. Évidemment, on va pas fold, mais on n'est pas non plus aux anges ici. Heureusement, à la turn, il check back. Ça me permet de check tranquillement et de call pour pas trop cher quand il bet un demi-river. Mais évidemment, on continue sur la lancée. Il a fait straight. Franchement, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a rien à faire. On va pas s'en sortir. Bon, je double quand même grâce à As-5 contre Dame-Valet. Puis, on va jouer Valet-7. Je min-raise, vilain call. Et sur Roi-5-2, je suis bête. Un tiers avant de toucher une paire de 7 à la turn. Je décide de check back et d'aviser river pour potentiellement prendre de la value, mais pas besoin, vilain bet river, je call et il me retourne valet 9. Enfin, on regagne un petit coup post-flop. Puis pendant quelques minutes, on va réussir à gratter plein de petits pots, ce qui va nous permettre de remonter un stack de 50 bébés. Mais par contre, ça va pas nous empêcher de nous retrouver dans un spot horrible avec 8 et 7 de pique. Je min-raise pré-flop et on touche middle pair sur roi 8-6. Il bet un demi, il call et sur le 4 turn, je décide de check back tranquille. Et tombe cette river magnifique, la doublette du 8. Alors évidemment, quand vilain check, j'essaye de mettre un gros sizing pour value au maximum les rois et pourquoi pas même des 6. Je fais pot et là, vilain me raise 4x. Mais quel spot pourri. Bon, réfléchissons un peu. Vilain a call mon bet un demi au flop. Donc il a quasiment tous les rois, tous les 8 et tous les 6. Il a aussi tous les flush draw, les 7 et 5, les 9 et 7, 5 et 3 et quelques backdoors à trèfle ainsi que quelques as. Alors quand je bet pot et qu'il me raise 4x, il peut clairement avoir les straight 7 et 5. Il peut aussi avoir des fulls, mais aussi plein de 8 supérieurs au mien, car j'ai quand même un 8 bien faible. Et je sais vraiment pas s'il va énormément s'amuser à bluff ici. Peut-être que c'est le cas, hein. Mais ça, on le saura jamais. Car honnêtement, je pense qu'il faut clairement fold ici. Et c'est ce que j'ai fait in-game, donc je suis 100% d'accord avec mon play. C'est pas le premier fold un peu compliqué qu'on fait, mais j'ai l'impression que c'est les meilleures décisions. Après, c'est toujours ce qu'il y a de frustrant quand on fold, c'est qu'on sait pas si notre adversaire est en train de nous exploiter ou si nos folds sont bons. Mais bon, il faut pas trop penser à ça, il faut surtout essayer de prendre à chaque fois la meilleure décision. Et on se retrouve quelques mains plus tard avec 8 et 6 off qui sera la dernière main post-flop de ce heads-up. Vilain min-raise, je call et on touche une middle pair sur As-6-4. Il s'y bet un demi, évidemment on a un clear call. On pourrait même raise ici pour deny pas mal de mains. Mais vu comment il battle depuis tout à l'heure, je pense qu'il va
pas trop folle des overcards au 6. Et donc call me paraît être bon. Turn sur le 9, il check back. Et river tombe le 2 de carreau qui fait rentrer flush. Prendre de la value me paraît assez compliqué ici. On n'a même pas un très bon 6. Donc je check. Et vilain bet 70% pot. J'ai quand même un bloqueur à carreau ici. J'ai très peu d'as et très peu de 9 dans ma range. Donc je pense qu'il faut quand même call un petit peu. Surtout un heads up où notre adversaire pourrait nous bluff si on fold de tout. Donc cette fois-ci, je call. Mais encore une fois, on tombe mal. Et il retourne les valets qu'il a entre guillemets sin value river. Bravo à lui. C'est vraiment un massacre cette dernière heure de heads up. Et comme je te l'ai dit, c'était la dernière main post-flop. Car ensuite, les trois derniers gros pots sont pré-flop. Je prends roi 9 contre as 9. Puis je m'en sors quand même as dame contre roi 6. Et enfin, je double une deuxième fois avec as dame contre roi valet. Avant que vilain ne quitte la table avec plus de 3000 euros de stack. Aïe aïe aïe, quelle galère ce heads up. Mais franchement, après avoir revu toutes les mains une par une, je trouve qu'on ne pouvait pas faire grand chose. Certes, il y a eu de nombreuses décisions closes, on pourra jamais savoir si on a eu raison ou non de trouver des folds ou des calls, mais en tout cas, ça reste un heads up qui a été très difficile à gérer à cause du run, et un adversaire qui honnêtement a su nous mettre dans des situations difficiles. Et dans tout ça, au final, eh bien, il nous a pris pas mal, sans oublier le reg, cadeau pour Betclic, qui fait vraiment mal en short. Même si en 200, c'est un petit peu réduit l'impact, c'est quand même assez conséquent, surtout au vu des sommes jouées. Et même si je t'ai pas forcément partagé de spin dans cet épisode, tu te doutes bien que j'en ai joué et ça s'est très mal passé. Le run était affreux et en plus, on n'a pas joué de grosses parties, rien d'intéressant à te partager. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus de la short, on a aussi drop en spin et on finit donc la journée à 9272 euros de bankroll, on repasse sous la barre des 10 000 euros. Mais avec tout ce qu'on a déjà traversé ensemble, tu te doutes bien que je vais pas me laisser faire et que je vais revenir encore plus fort. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao !